Bonsoir, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes très nombreux, vous attendiez déjà ce moment pour suivre la parole de Dieu, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le samedi, ce sera un grand jour pour nous puisque c'est un jour où nous allons continuer à parler sur les réclamations et nous allons parler même sur la destruction et des hôtels. Et même l'annulation ou encore l'abolition de toutes les réclamations. Et j'attends que vous puissiez réellement vous connecter. Connectez-vous déjà. Commencez déjà à appeler les autres, puisque aujourd'hui, je sais que ça va chauffer. Commencez déjà à attirer. Commencez déjà à appeler les autres. Dites-leur que le moment est arrivé. J'attends que vous soyez nombreux. J'attends vraiment que vous soyez nombreux, que vous puissiez vous connecter correctement afin que nous puissions tous ensemble décoller sous l'ambiance du Saint-Esprit, sous l'ambiance de la parole de Dieu. J'attends vraiment que vous puissiez vous connecter, puisque moi je suis déjà prêt. J'attends, connectez-vous déjà. J'attends que vous puissiez vous connecter, oui. Oui, tu peux appeler l'autre. Tu peux appeler ton ami. C'est lui qui t'a dit qu'il aurait voulu être aussi en ligne. Appelle-le. Par la grâce de Dieu, le Seigneur peut aussi le localiser. Juste par ton canal, le Seigneur peut le localiser aussi. Voilà pourquoi je t'ai dit de l'appeler. Tu peux l'appeler, tu peux l'appeler, il n'y a pas de problème, tu peux l'appeler. Je sais que le Seigneur est là pour ça. Le Seigneur est là pour faire quelque chose pour sa vie. Le Seigneur est là pour lui apporter une paix. Il y a une grâce qui l'attend. Connectez-vous déjà. Connectez-vous. Vous êtes très très nombreux. Vous avez la soif de la parole de Dieu, la soif de suivre cet enseignement. Alors connectez-vous. Connectez-vous déjà. Connectez-vous. Nous sommes là. Connectez-vous. Nous sommes toujours là. Connectez-vous. J'attends que vous puissiez réellement vous connecter, puisque par la grâce de Dieu, il y a un enseignement magnifique que le Seigneur vous réserve aujourd'hui. Il y a de très très grandes surprises que le Seigneur vous réserve aujourd'hui. Alors connectez-vous puisque le Seigneur est déjà au rendez-vous. Il est déjà au rendez-vous. Connectez-vous. Je sais que vous êtes très très nombreux à me suivre. Vous êtes très très nombreux à me suivre. Connectez-vous. 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 Vous êtes très très nombreux à me suivre. Connectez-vous déjà. Connectez-vous. Vous êtes très très nombreux à me suivre. Vous avez la soif d'écouter la parole de Dieu, de suivre cet enseignement. Connectez-vous déjà. Et là, moi, je pense que je peux déjà démarrer avec ceux qui sont là. Je vois, vous êtes déjà là, je peux déjà démarrer avec vous. Nous voulons parler sur les réclamations diaboliques. Les réclamations diaboliques. Souvenez-vous que nous avions parlé la fois dernière sur les réclamations de nos origines. Et là, je vais aussi parler encore des réclamations diaboliques. C'est-à-dire, il y a non seulement les réclamations de nos origines, mais il y a aussi les réclamations diaboliques. Donc, je vais mettre tout ensemble. Mais ce qui va beaucoup plus attirer mon attention, ce sont les réclamations diaboliques. Mais je vais encore parler un tout petit peu sur les réclamations aussi de nos origines, donc les réclamations en général. Écoute-moi bien, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Là, je suis dans Genèse au chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez aussi Genèse chapitre 3, le verset 19. Là, Dieu dit à l'homme: Tu mangeras du pain à la sueur de ton front, et jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc vous comprenez, Dieu est en train d'appeler l'homme, il est poussière et il retournera dans la poussière. Mais écoutez, si vous continuez dans Genèse
au chapitre toujours 2, mais le verset 8, la Bible nous dit « Et Dieu prit l'homme, et Dieu planta un jardin en Éden. » Vous voyez, il crée d'abord l'homme. Avant de planter le jardin, Dieu avait d'abord créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, c'est ainsi que Dieu a planté un jardin. Et la Bible me dit « Dieu prit l'homme qu'il avait formé, il le plaça maintenant dans le jardin. » Allez-y déjà comprendre que l'homme avait été créé en dehors du jardin. Et c'est Dieu qui l'a transporté pour le placer dans le jardin. Alors, à ce niveau-là, j'aimerais que nous puissions déjà tirer quelques clignotants de notre enseignement. Je veux que nous puissions tirer déjà les clignotants de notre enseignement. Écoutez-moi bien. L'homme, nous avons trois réclamations négatives que nous voulons parler ensemble. Écoutez la première réclamation négative. Dieu dit à l'homme, Dieu pour former l'homme, il le tire d'abord de la poussière. Là où Dieu a pris l'homme, là où Dieu a ramassé une portion de poussière, puisque Dieu n'a pas pris toute la poussière pour former l'homme, mais il a ramassé juste une portion de poussière. Là où il a pris la poussière, il y a un vide qui est resté. Il y a un vide, il y a un trou qui est resté. Souvenez-vous, quand on est en train de fabriquer des blocs ou bien des briques, là où on a pris la poussière, il y a toujours un trou qui reste. Il en est de même pour l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il y a un trou, il y a un vide. Même si tu ne veux pas parler de Dieu, la tombe te réclame. Tu es dans l'occultisme, tu es dans la magie, tu es dans les talismans. La tombe te réclame. Maintenant, tu ne sais pas quand est-ce que tu rentreras dans ton trou, puisque personne n'y rentrera pour toi. Puisque chacun de nous a son trou. Alors, voilà pourquoi, maintenant là, tu peux faire un choix. Tu peux faire un choix de croire au Seigneur. Fais un choix carrément de croire au Seigneur, puisque même si la tombe te réclame, mais ton âme ira au ciel. Ton esprit ira au ciel. Et ça, c'est, je suis à la première dimension. Alors, l'homme, il a été placé. Il a été il est réclamé par le trou. Il est réclamé par la tombe. Non seulement ça, regardez, l'homme, Dieu lui dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça veut dire la poussière les réclame. Maintenant, écoutez les réclamations de la poussière. 1. La poussière, la poussière est emportable. Emportable. Quand le vent souffle, ça peut facilement emporter la poussière. Vous savez que les gens qui ont des réclamations de poussière, ce sont les gens qui sont indécis. Ils n'ont pas de décision, ils n'ont pas de position. C'est quelqu'un, partout où tu le mets, il est emportable par tout vent. Il suffit qu'il y ait un vent qui souffle, même dans l'église. Aujourd'hui, il est dans cette église, demain, il est dans une autre église, après-demain, il est dans une autre église, après-demain, il est dans une autre église. Là, c'est la réclamation de la poussière. Tu deviens instable. Tu es instable sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan des fiançailles, sur le plan des relations. Même dans le mariage, tu es instable. Là, c'est une forme de réclamation, mais c'est la réclamation de la poussière. Pourquoi? Puisque la poussière n'est pas stable. Quand le vent souffle, même un petit vent, quand le vent souffle, la poussière est emportée. Tu es instable, pourquoi? Mais toi-même, d'ailleurs, c'est plus fort que toi. C'est vraiment plus fort que toi. Tu te poses la question, comment est-ce que je sortirai de cette situation, puisque ça devient plus fort que moi. Je suis instable. Même si je trouve un fiancé aujourd'hui, je dois le laisser voir pour aller chez un autre. Là, c'est la dimension de la poussière. Alors, il faut faire très, très attention avec ça. Même au niveau du travail, tu es instable. Même au niveau des affaires, il y a toujours l'instabilité. Au niveau de ta famille est instable aujourd'hui. C'est quoi? Ce sont les réclamations. Ce sont les réclamations. Tu es avec ton mari aujourd'hui. Aujourd'hui, vous battez. Demain, ça marche. Après demain, ça marche. Tu ne sais pas prendre une décision. Tu es avec ta femme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu lui crées des problèmes. Tu lui crées des difficultés. Tout ça, ce sont les réclamations de la poussière. Et nous devons annuler ces réclamations aujourd'hui. Voilà pourquoi j'annule toutes les réclamations. Au nom de Jésus, toutes les réclamations contre ta vie,
contre toi-même, je suis en train de les annuler par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les annule. J'annule les réclamations sociales, les réclamations conjugales, les réclamations professionnelles, les réclamations des affaires, les réclamations spirituelles, les réclamations ecclésiastiques. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de les annuler. Le Seigneur est merveilleux pour toi. Il a besoin de te faire du bien. Il a besoin de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Mais il veut juste le faire pour toi. Puisque lui, il est Dieu. Il veut faire quelque chose par rapport à ta vie. Il veut faire quelque chose pour toi. Écoutez, la poussière, elle est piétinable. Vous voyez un peu? L'homme a été tiré de la poussière, mais il est réclamé par la poussière. Mais la poussière est piétinable. C'est-à-dire que les réclamations qui viennent de la poussière, ce sont des réclamations qui amènent les gens à être piétinés. C'est-à-dire, ça t'amène à la bassesse. Ça t'amène pour que tu sois piétiné. Ça t'amène à faire des choses honteuses. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même des gens, il est né homme, mais aujourd'hui il veut devenir une femme. Il y a des gens qui sont des femmes, ils veulent devenir des hommes de manière artificielle. Ils font des choses qui font la honte. La honte même de leurs enfants, la honte même dans leur conscience, ce sont des choses qui font honte. Il y a des gens aujourd'hui, on se retrouve dans une situation telle que il y a des gens qui veulent tout ce qu'il fait, il est dans la prostitution, ce sont des choses qui font honte. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la honte. Même si tu mourrais aujourd'hui, il suffit que tes enfants, puisque ton nom c'est un héritage, mais si tu as fait honte, ton nom va commencer à faire honte, même à tes enfants, même par rapport à tes enfants, ça va commencer à faire la honte de tes enfants. Alors, la poussière, elle est basse, elle est d'en bas. Ça veut dire, la réclamation de la poussière, c'est une réclamation vers la bassesse. Tu es réclamé toujours vers la bassesse. Même si on te donne une grande position, tu perds la position pour que tu retournes vers le bas. Même si tu te retrouves que c'est toi qui deviens responsable de quelque chose, tu feras toujours une erreur pour que tu rentres vers le bas. Cette réclamation, c'est comme la réclamation de Vasti. Elle était sur le trône. Et Esther, elle était chez son oncle. Elle était comme dans l'orphelinat. Mais regardez, Vasti sur le trône, elle commet une petite erreur pour qu'elle rentre toujours dans la poussière, pour qu'elle rentre à sa position initiale. Écoute-moi bien, si Dieu te donne un trône, tu dois savoir bien gérer, bien conserver ce trône-là. Tu as une bonne position, pourquoi des erreurs comme ça? Tu as un bon mariage, pourquoi des erreurs comme ça? Tu es un enfant à la maison, pourquoi des erreurs comme ça? Ça, ce sont des réclamations. Tout ça, ce sont des réclamations. Écoutez, la poussière, elle est évitable. C'est tout le monde qui évite la poussière. Elle est évitable. Écoutez, pendant que je suis en train de parler là, je voulais m'adresser à un homme ou bien à une famille. Dans cette famille-là, je vois un esprit de mort. C'est un esprit de mort très puissant qui cherche à arracher les gens dans cette famille-là. Avant que l'année ne se termine, heureusement que Dieu nous le montre pour que nous puissions annuler cet esprit de mort. Avant que l'année ne se termine, vous allez perdre beaucoup de gens dans votre famille. Je suis en train de parler de la famille de quelqu'un qu'on appelle Patrice. Patrice, mais on t'appelle très souvent Patrice Yapi. Patrice Yapi. Patrice Yapi. Patrice Yapi, ton épouse s'appelle Chantal. Ton épouse s'appelle Chantal. Mais écoute-moi bien, il y a un esprit de mort très puissant qui est en train de vous chercher. Cet esprit de mort-là, il est en train de vouloir vous arracher beaucoup de gens au niveau de la famille. Mais aujourd'hui, nous allons prier contre cet esprit de mort pour mettre fin, pour bloquer cet esprit de mort qui vous dérange. Souvenez-vous, pour que je vous donne des références, souvenez-vous que c'est le même esprit de mort qui a tué Natacha. C'est le même esprit de mort qui a tué Natacha, qui a arraché Natacha. Et je dis bien, Natacha, c'est une fille qui est morte à l'âge de 37 ans. Elle est morte à l'âge de 37 ans et un mois. 37 ans et un mois. Elle est morte. Écoute bien, ce n'est pas parce que son temps est arrivé qu'elle est morte. Non.
Elle est morte parce qu'elle a été arrachée par le monde des ténèbres. Le puissance de l'ennemi l'ont arrachée de vos mains. C'est ainsi que moi, je suis en train de détruire au nom de Jésus tout esprit de mort contre ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, tout esprit de mort qui cherche à arracher les gens dans la famille, je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de mort. L'esprit de mort contre la famille de Patrice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je détruis totalement cet esprit de mort. Je détruis totalement cet esprit de mort. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux, même vous priez. Priez pour ça. Puisque souvenez-vous que cet esprit de mort-là, c'est le même esprit qui a tué Julien. Julien qui était considéré comme, comme étant les jumeaux de ta maman. Les jumeaux de ta maman. Je parle bien de maman Chantal. Les jumeaux de ta maman. Souvenez-vous que c'est le même esprit. Vous pouvez trouver ça normal. Puisqu'il avait déjà de l'âge. Mais je vous dis que c'est le même esprit de mort qui a tué Albert Yapi. Albert Yapi. C'est le même esprit de mort qui l'a tué. Alors cet esprit de mort-là est en train de circuler. Mais par la puissance du nom de Jésus, nous annulons déjà cet esprit de mort. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, tu es en train de me suivre. Je sais que tu connais celui de qui je parle. Vous êtes en train de me suivre. Faites tout pour que ce message ne soit pas venu, pour qu'il sache comment voir, prendre des dispositions. Mais nous, on a déjà annulé ça. Voilà pourquoi même tout esprit de maladie, nous annulons ça au nom de Jésus-Christ. Nous annulons ça au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un d'autre. On t'appelle Mireille. On t'appelle Mireille. Mireille, je vois, il y a un enfant qu'on appelle Mike. Qu'on appelle Mike. Je vois, il y a une puissance des morts qui est en train de rôder, de circuler autour de l'enfant qu'on appelle Mike. Voilà pourquoi j'annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule totalement. Puisque je vois, c'est comme une famille de quelqu'un qu'on appelle comme Apangande. Apangande. Je suis en train d'annuler au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule cette force des morts, j'annule cette puissance des morts. Au nom de Jésus de Nazareth, 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 j'annule cette force des morts. Je sais que quand nous sommes en train de parler comme ça, il y a des puissances des ténèbres qui voulaient faire des choses, mais nous annulons tout. Souvenez-vous comment est morte quelqu'un qu'on appelle Muratwa. Hein, Mireille, tu connais comment Muratwa est morte. Moi, je l'appelle Muratwa, mais vous, vous l'appelez Angelina. Elle est morte comme ça. Mais là, je suis en train d'annuler vraiment cet esprit de mort-là. Je l'enlève totalement de votre famille, au nom de Jésus-Christ. Alors, je disais qu'il y a la poussière qui nous réclame. Et ces réclamations-là de la poussière, c'est une réclamation qui amène toujours les gens vers le bas, qui amène les gens à perdre leur position initiale. Souvenez-vous que l'homme, avant qu'il ne soit créé, il était dans la poussière, mais ce sont les animaux qui étaient créés avant lui. Vous voyez, les animaux, il y a déjà les oiseaux qui étaient créés au cinquième jour. Et au sixième jour, il y a des animaux qui, les autres animaux étaient créés. C'est ensuite, à la fin, que Dieu a créé l'homme et la femme. Alors, là, vous comprenez carrément que lorsque les animaux étaient créés, les animaux, c'était les grands frères de l'homme. Ils étaient les aînés de l'homme. Mais voici le privilège que Dieu a donné à l'homme. L'homme qui était le petit frère, mais Dieu a fait de lui le roi de tous de la création. Il a dominé sur ceux qui l'ont précédé. J'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, laisse ceux qui t'ont précédé aller de l'avant. Laissez-les passer. Mais c'est toi qui es le dominateur. C'est toi qui es plus puissant. C'est toi
Dieu a donné le privilège à l'homme, mais l'homme a perdu ce privilège-là et il est retourné dans la poussière. Laisse-moi te dire, si Dieu te donne un privilège, ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ton niveau d'études, mais le privilège que Dieu te donne, c'est tout simplement parce qu'il comprend que lui, il est Dieu et il a besoin de t'aider, il a besoin de te soutenir. Garde, conserve cette position-là. Je sais que il y a des réclamations qui veulent toujours que tu quittes cette position. Ne sors pas, ne quitte pas cette position de ton mariage, ne quitte pas la position professionnelle, ne quitte pas. Continue à monter au lieu de descendre. C'est très important. Alors, il y a une deuxième réclamation, c'est la réclamation du dehors. Je vous ai dit que l'homme a été tiré. Il a été tiré de la poussière. Et il a été créé. Mais il a été créé où? En dehors du jardin. Puisque la Bible nous dit, après avoir créé l'homme, Dieu planta un jardin en Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est-à-dire, l'homme était formé en dehors du jardin et c'est par la suite que Dieu a pris cet homme et l'a placé dans le jardin. C'est-à-dire, l'origine de l'homme, c'est en dehors du jardin. Dans le jardin, c'est Dieu qui est venu juste le placer là par privilège, par grâce. Il est venu le placer là. Mais voilà que même si l'homme était devant la face de Dieu, l'homme parlait avec Dieu, l'homme conversait avec Dieu, l'homme a vécu même les miracles de Dieu. Dieu a pris un os, il en a fabriqué une femme. L'homme est témoin de tous les miracles que Dieu a fait. L'homme, il avait le privilège puisque Dieu faisait passer tous les animaux devant lui pour qu'il leur donne des noms. L'homme avait beaucoup de privilèges devant Dieu. Il était devant la face de Dieu. Mais malgré la présence de Dieu, il y avait la réclamation du dehors. L'homme était réclamé par ses origines du dehors du jardin. C'est ainsi que lorsqu'il a péché, Dieu l'a chassé. Il l'a retourné en dehors du jardin. Et il a mis les chérubins qui avaient une épée flamboyante pour qu'il n'entre pas, qu'il ne rentre plus dans le jardin. Alors, vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui sont réclamés par les dehors aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un, il est au travail, il a trouvé un bon travail. Il a trouvé un travail qui lui permet de lui payer la maison, payer toutes les factures, payer les études des enfants et un peu d'argent qu'il peut aussi utiliser pour faire des projets, pour réaliser ses projets. Mais tu sens qu'il est en train de commettre des petites erreurs qui vont toujours le pousser à aller en dehors de son travail. Écoute, ça c'est une réclamation du dehors. Tu es réclamé par le dehors. Tu es réclamé par l'extérieur du travail. Laissez-moi vous donner cet exemple. La Bible nous dit qu'il y avait une femme. Cette femme-là avait son mari. Et cette femme, avec son mari, ils ont eu un fils. Ils ont eu un enfant. C'était un fils. Un enfant mâle. Après un moment, la mort a réclamé le mari. Le mari est mort. La femme est restée avec un fils, mais un fils unique. Maintenant, écoutez. Ce fils-là, c'était un fils unique de la mère. Ce n'était pas un fils unique du père, puisque son père était déjà mort. C'était un fils unique de la mère. C'était un fils unique mort, puisqu'il était mort. C'était un fils unique qui faisait pleurer. C'était un fils unique qui donnait de l'amertume dans le cœur de sa mère. Et maintenant, ce fils unique, quand il était mort, le fils unique de la mère, quand il était mort, les gens du quartier venaient. Ils venaient pour dire, maman, nos condoléances. Mais la maman n'avait pas besoin de leurs condoléances. La maman avait besoin de qui va ressusciter mon fils. Il y a des gens qui venaient avec la chorale. La maman n'avait pas besoin d'une chorale. Elle avait besoin de qui va ressusciter mon fils. La maman n'avait pas besoin des gens qui amenaient des cotisations, des collectes. Mais elle avait besoin de qui va ressusciter mon fils. Mais après, les mêmes personnes qui sont venues consoler, ces personnes-là ont dit à la maman, « Maman, le temps est arrivé, nous devons aller à l'enterrement. » Et le cortège de l'enterrement a commencé. Ils ont commencé le cortège pour aller à l'enterrement. Ils sont partis. Dans les anciennes villes, la Bible nous dit qu'il y avait des clôtures, il y avait des murailles.
Et les gens l'ont enterré en dehors des murailles. Vous voyez que son père avait été enterré en dehors de la muraille et son père a commencé à réclamer son fils vers la mort, en dehors de la muraille. Et il y avait une porte qu'on mettait là, là où tout le monde devait passer. Le cortège a commencé. On a transporté le fils. On a lavé le fils. On l'a mis de l'huile, on l'a mis le parfum, on l'a habillé, on l'a mis dans les cercueils. Le cortège a commencé. Il est réclamé par les dehors, par là où son père est parti. Mais pendant que ce fils-là, qui était un fils unique, ils étaient en cortège, il était devant, les gens pleuraient derrière lui. Ce n'était pas un fils unique du père, mais un fils unique de la mère. Ce n'était pas un fils unique du ciel, mais un fils unique de la terre. Il était réclamé. Arrivé à la porte, il y a un autre fils unique qui voulait entrer. Le nom de cet autre fils unique, c'est Jésus de Nazareth. À la porte, c'était la rencontre des deux fils. Un fils réclamé par les dehors et un fils qui vient pour briser la réclamation. Et dans cette rencontre-là, on devait connaître et comprendre qui est le véritable fils unique. C'est ainsi que Jésus a dit, cortège, allez, stop. C'est ainsi que moi aussi, je vous dis, tout celui qui voulait aller t'enterrer, je dis stop au nom de Jésus. Tout celui qui voulait enterrer ton mariage, ton travail, qui voulait enterrer ta santé, qui voulait enterrer ta famille, qui voulait enterrer tes projets, je les stop au nom de Jésus de Nazareth. Toutes tes réclamations du dehors, je suis en train de les stopper. Alors, c'est un peu ça la situation. Alors, Jésus, il y a ces réclamations-là. Il y a ces réclamations-là maléfiques. Alors, je vais directement parler d'une autre réclamation. C'est la réclamation diabolique. Cette réclamation-là diabolique, c'est une très très mauvaise réclamation. Je voulais m'adresser à une famille. Cette famille-là, c'est la famille de quelqu'un qu'on appelle Jean-Claude Kayumba. Jean-Claude Kayumba. Jean-Claude Kayumba, ta femme s'appelle Émilie. Ta femme s'appelle Émilie. Au fait, c'est une famille qui aime beaucoup les choses de Dieu. C'est une famille où, depuis avant, Dieu vous a aidé. Dieu vous a beaucoup aidé et Dieu vous a fait grâce dans votre famille. La grâce que Dieu vous a fait, c'est que vous avez un don que Dieu vous a donné depuis avant, pendant que vous étiez même inconscient. Depuis avant, Dieu vous a donné un grand don. C'est un don où tout celui qui est à vos côtés doit évoluer. Mais quand il évolue, il y a toujours un problème puisque beaucoup de gens pour qui vous avez prié, ils ont évolué, ils vous ont oublié. Mais le Seigneur m'a dit, il veut vous récupérer. Il veut vous récompenser. Tous ces gens-là qui vous ont oublié, à qui vous avez fait du bien, pour qui vous avez prié, le Seigneur m'a dit de vous dire que le Seigneur veut élever d'autres personnes qui seront une grande bénédiction pour vous. Je vois même à Manchester, et je vois d'ailleurs, il y a une église, Charismatic Church of Christ. Je ne sais pas bien prononcer en anglais. C'est Charismatic Church of Christ. Of Christ ou bien of Christ. Moi, je suis un francophone. Alors, le Seigneur me dit, il va maintenant vous récompenser. Tous les gens qui s'approchent de vous, ce sont des gens qui progressent, qui prospèrent et pour qui le Seigneur fait toujours du bien. Et le Seigneur veut aussi vous faire du bien par rapport à ça. Alors, voilà pourquoi je prie pour vous au nom de Jésus. Je suis en train de détruire les forces des ténèbres qui éloignaient toujours les gens de vous, de vos côtés, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de détruire, je détruis les forces des ténèbres, je détruis les puissances maléfiques, je détruis les puissances des ténèbres, les puissances diaboliques. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom
de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Là, je suis en train de prier. Mais là, il y a quelqu'un d'autre pour qui le Seigneur veut faire du bien. Je vois aussi que c'est une famille. La famille pour laquelle Dieu veut vraiment faire du bien, c'est la famille de quelqu'un qu'on appelle Désiré. On t'appelle Désiré Mbayo. On t'appelle Désiré Mbayo. Et je suis en train de te voir, tu es dans une église qu'on appelle Montagne de Restauration. Je vois ta famille, c'est une famille que le Seigneur veut faire du bien. Il veut faire d'abord du bien à ta famille ainsi qu'à l'église que tu es en train de diriger. Puisque là, au niveau de la famille, je suis en train de voir 4 enfants. Souviens-toi des combats que tu as eu avant que Dan ne puisse naître. Puisque Dan, c'est ton fils aîné. Mais ce fils-là, c'est une étoile pour ta famille. Le Seigneur l'a mis dans ta famille comme une étoile. Voilà pourquoi il a été beaucoup, beaucoup combattu. Et c'est là que je vois le Seigneur soutenir. Non seulement il aide Dan, mais le Seigneur est en train d'aider aussi. Il est en train d'aider aussi ton enfant qui s'appelle Abigail. Il aide aussi un autre enfant qu'on appelle Alia. Et il y a un autre qu'on appelle Amarissa. Ce sont les 4 enfants. Ces enfants-là que je vois, ce sont les enfants qui ont la grâce de Dieu. Le Seigneur les a fait grâce. Souviens-toi, tu as eu beaucoup de combats depuis 2001. Vous voyez, vers l'année 2000, tu avais déjà beaucoup de combats. Et arrivé vers l'année 2001, avant que tu ne puisses faire le mariage avec Bijou Maivanga. Bijou Maivanga, c'est ta femme. Avant que tu ne fasses le mariage avec elle, puisque tu as fait avec elle le mariage le 23 au mois de juin. Mais au mois de mai, tu avais déjà des difficultés en 2001. Tu avais déjà beaucoup de combats. Mais le Seigneur me dit qu'il vient pour vous amener une nouvelle dimension, une nouvelle saison dans votre famille, une nouvelle saison dans votre vie. Il veut vous faciliter les choses. Il veut vraiment vous faciliter la tâche. Souvenez-vous qu'à une certaine période, il y a des grands combats que Bijou avait. Mais ces grands combats-là, ça venait du côté de Kinshasa. Puisque si je monte sur mon char maintenant, mon char prophétique, je peux aller à Kinshasa. Moi, je suis à Goma, mais je peux aller à Kinshasa. À Kinshasa, là, il y a une commune qu'on appelle, il y a un endroit qu'on appelle Mongafula. À Mongafula, il y a une avenue qu'on appelle Avenue Ngungu. Au niveau de l'avenue Ngungu, au numéro 25, je vois là, il y a comme une famille. Et cette famille-là, je vois, c'est une famille de quelqu'un qu'on appelle Maivanga. C'est une famille qui est là. Mais dans la famille, il y a des gens qui sont venus de loin, qui sont venus du village et qui ont compris que là où tu es obligé de fuir. Alors tu commençais à lancer des flèches pour bloquer tout ce que tu pouvais faire. Mais à partir de maintenant, je vais te dire, maman Bijou, servante de Dieu, je vais tout simplement te dire, tu as une onction de changement des choses, tu peux bouleverser les choses, tu peux changer des situations. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire maintenant, que tu peux changer et tu peux bouleverser les choses. Je suis du côté des Abidjan. Il t'a suivi à Abobo. Et au niveau de Abobo là, il est venu avec des fétiches, il voulait t'arrêter. Il voulait t'arrêter puisqu'il a trouvé qu'il y a des gens dont tu étais en train de délivrer, puisque tu as une grande grâce de délivrance. Il y a beaucoup de gens que tu étais en train de délivrer, alors il voulait te faire du mal, mais ton Dieu a vaincu. C'est ainsi que le Seigneur est en train de me dire que maintenant, il y a une nouvelle dimension qu'il est en train de te donner. Là, je parle en termes du ministère et d'onction. Il y a une nouvelle onction que Dieu est en train de te faire, que Dieu est en train de te donner. C'est une nouvelle onction qui va te permettre d'atteindre de très, très grandes dimensions.
C'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle onction, c'est une grande onction. Ça va te permettre d'avoir de très grandes dimensions dans ton ministère et même au niveau de l'Église.